Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, ça va même très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour MX. Je me suis déjà planté, la vidéo commence très bien. Non, si en plus c'était ça, c'est bien le jeu MXGP. La suite du titre, très compliqué. C'est juste qu'en fait là j'ai été perturbé parce que j'avais commencé un petit peu le jeu pour voir à quoi m'attendre, et en fait du coup vous aurez pas les vidéos de tuto, mais bon, c'est pas très grave, au pire vous mettrez dans les commentaires si vous voulez qu'on les voit, et bon, vous avez juste loupé ça. Donc voilà, donc je recrée mon profil pour le mode carrière. Donc voilà, donc le jeu, c'est donc je vous l'ai dit, c'est c'est jeu vidéo game, enfin c'est le jeu officiel de MX. Donc MX1 et MX2, c'est deux catégories, voilà. Donc voilà, donc mon surnom ça sera Seven. Alors Seven pour comment il s'appelle, le pilote de motocross, mince, vous verrez, enfin les pros en cross savent de qui je parle, le noir qui court aux États-Unis, bref, voilà. Donc on va laisser ça, on va laisser le pays, voilà. Qu'on fait B, apparence, bah ça c'est bon. Et l'agent, on va mettre, voilà, la petite dame, cette petite dame qui m'a l'air très sympa. Voilà, par contre on va peut-être baisser l'audio, c'est parce que ça me paraît quand même assez fort. Voilà. En course on va mettre comme ça. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo buggera pas, parce que je suis sur l'ordi portable et évidemment sur l'ordi portable on peut avoir des surprises. Tant que je n'ai pas l'autre ordi. Évidemment si vous voulez que je fasse une facecam pour les prochaines vidéos, puisque ça va être une carrière suivie, je ne vous l'ai pas précisé, je suis encore désolé. Ça va être une carrière suivie, donc pour faire des facecams, dites-le moi dans les prochaines vidéos qui arrivent. Donc voilà, donc vous voyez des très belles photos de pilotes. Bref, allez, on commence. Donc là ça vous présente la catégorie MX1, donc c'est pour le commencement, et on finira par la MX2 qui sera juste au-dessus. Ressentez les sensations d'un pilote de championnat du monde en mode carrière. Vous affronterez de jeunes pilotes de MX2, puis des coureurs chevronnés de MX1. Vous devrez maintenir la pression et dépasser vos limites pour être signé par les meilleures écuries et gagner le respect de la presse et des fans. D'accord, donc en plus je me suis planté, désolé. Donc on est en MX2, c'était par contre très logique, et on montrera après en MX1. Alors bonjour monsieur, alors je vais changer ça, je mettrai Luffy. Alors bonjour monsieur, MR c'est un peu pourri. Bonjour monsieur, je suis Daniel, je serai ton nouveau manager personnel. Mon travail sera de t'aider dans ta carrière de pilote en obtenant des contrats avec de meilleurs teams. Donc ils appellent pas ça des équipes, c'est des teams, voilà, en cross possible. Naturellement les offres voilà. Donc c'est parti, on va regarder les fenêtres de transfert indiquent les écuries qui s'intéressent à vous. Vous commencerez par courir en wildcard, et si vous faites impression, vous recevrez peut-être un contrat de pilote officiel pour la saison suivante. D'accord, en wildcard. Donc en fait si je comprends bien, un sous-fifre, et ensuite on passera officiel comme il vient, donc précise. D'accord, ça c'est l'écurie. D'accord. Et ça. Et alors, 4TM, une 250, un CRF. Je serais plus tenté par. Je suis pas KTM. J'aime bien Honda. Allez, on va prendre une petite équipe. Alors ce team est géré par. Ce team est géré. Ok. Bon, on va prendre celle-là. Allez, on va pas prendre. Ça me paraît bien. Bon, la moto a l'air un peu bizarre, mais bon. Allez, on va se lancer là-dessus.
J'espère que ça va pas laguer, franchement. Oui, je veux signer avec eux. Avant chaque week-end, votre écurie vous indiquera par mail le nombre minimal de points qu'elle attend de vous. Vos résultats n'influent pas seulement sur votre réputation, mais aussi sur votre avenir dans l'écurie. D'accord. Donc on va pas commencer une course, c'est juste une introduction. Au bureau, vous pouvez gérer toutes vos activités de pilote et vous reposer lorsque vous n'êtes pas sur le circuit. D'accord. Le vestiaire permet de personnaliser votre tenue et de choisir votre casque. Ça me paraît évident. L'ordinateur assure les contacts avec l'écurie et les fans. Le calendrier permet d'accéder à l'épreuve suivante. La télévision, de suivre le classement du championnat et le magazine officiel, de se tenir au courant des derniers événements du monde de MXGP. D'accord, ok, mais c'est sympa ça. D'accord, bon, voilà, donc c'est le bureau. Voilà, donc le casier pour le modifier la tenue. D'ailleurs, la tenue qui m'a l'air très très sympa. Très très sympa, j'ai hâte de voir ça. L'ordinateur pour voir les mails, donc on va aller voir ça. Donc comme je disais, on va s'arrêter ici. C'est juste une introduction pour vous prévenir qu'on va faire des let's play là-dessus, donc une carrière suivie, on peut dire ça comme ça. Toute la carrière de notre pilote, de A à Z, voilà. Donc voilà, voilà. Alors, email. Donc voilà, alors ça c'est sympa parce que dans WRC il n'y avait pas ce truc là, donc là on a des. On n'avait pas ça dans WRC. Si. Non c'est le Facebook, enfin le sort de Twitter Facebook. Alors bonjour. Alors là il nous demande de gagner au moins 15 points. Notre idée dans ce Grand Prix de gagner au moins 15 points, d'accord. Ok. Ok. Bon, oui, toi t'es comme les femmes. Parle point. Je rigole, le gros macho. je suis désolé. Alors, j'ai 11 fans. D'accord, c'est cool, sympa. Ah, j'ai Monsieur Labille. J'ai Madame Quatre Belles Dents. Et j'ai un autre mec. D'accord. Ok, bon. Ok, ça c'est le magazine que. On n'a pas tout de suite, d'accord, classement, bon, évidemment. Donc voilà, sur ce, mes petits abonnés, je suis très 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 content, vous avez pu le constater, de vous présenter ce petit jeu. Prochaine course arrivera ce week-end ou lundi, je pense que ça sera dans le week-end. Je vais voir si ça lag pas, si ça lag, je vous le mettrai sur le Facebook. Pour vous dire, dans le menu, je suis à 28 FPS, donc je sais pas, je vais faire des tests et je vous redirai ça. Bref, sur ce, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de suivre la chaîne et la chaîne, bon Dieu, le fil. Ah là là. Voilà, mettez en commentaire si vous voulez que je fasse des facecam ou pas. Bref. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et moi aussi, j'aime voir les gens travailler. Et moi, je reste derrière le bureau, tranquille, en mode pumple. Allez, salut les abonnés.